Alright tout le monde, je suis Jocelyn. On se retrouve sur la suite, ben le DLC de The Outer Worlds. Donc j'ai fait le tour de ce jeu il y a un an. Et puis ils ont sorti un nouveau DLC. Puis ça fait du bien gros, ça faisait longtemps que j'avais pas joué en First Person Shooter. En RPG. Gros genre, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu gros. Ah si, j'ai hâte à Cyberpunk man. Cyberpunk là, ça va tellement être big comme jeu là. Puis vraiment là, je vous jure là, que si Calis là... le jeu il est malade, là, il n'y aura même pas de fin à cette série-là, mais on va faire des épisodes par deux épisodes là, sur ma chaîne, ça va être malade. Mais ouais, on se retrouve sur The Outer Worlds. Un jeu très court, mais vraiment très le fun, puis je suis très content qu'il y ait un DLC enfin. Donc c'est Peril sur Gorgon. Puis là, je me souviens plus, j'ai loadé une sauvegarde avant la mission... La mission finale, parce qu'on pouvait pas revenir en arrière, donc je pouvais pas procéder au DLC. Là, je suis niveau 27. Je suis niveau 28 à la fin du jeu. Je vais mettre la playlist au pire dans la description là, pour le jeu, parce que ça va être de la nouvelle playlist. Mais ouais, c'est ça. Donc, je vais faire un petit tour de mon personnage. Donc, c'est comme ça que je l'avais laissé la dernière fois. C'est quoi ces stats? Des très bons guns, des astis de bons guns. J'ai joué gros juste en upgradant mes armures pis tout après la fin de l'épisode, ben de la série. Celle-là est fucking hot man, gros ça a une résistance d'une armure lourde pis c'est une armure fucking classy, c'est vraiment nice. J'avais ce jacket là avant. Celle-là et tout il est cool, je l'aime bien, mais j'aime mieux celle-là. Mon personnage, je joue en Super Nova, donc j'ai fait un personnage qui parle beaucoup. Donc, qui est très fort en dialogue. Ça m'évite beaucoup de faire des combats puis de me faire tuer. Ce qui était très pratique au début. En dernier, j'étais quand même assez fort. Mais c'est quand même assez tough en Super Nova. C'est ouais. Donc, il est ici. Félix, mon corps à corps. Yoka. Parvati, elle est tout le temps avec moi, man. Même si elle est lesbienne, ma calisse. Moi, je l'aime pareil. Yacht, il me fait penser à un dude dans Star Trek, mais je sais pas qui exactement. Ah, c'est vrai, il y a Sam, il y a le robot Sam. Nice. Sam, ça, c'est son petit quartier à lui. Est-ce qu'on a de quoi là-dedans, non? Ah ouais. J'avais même pas remarqué qu'il y avait des trucs comme ça. Sachet de petits cœurs de quoi? Moisi, ok. Je vais visiter les quartiers de mes personnages, parce que plus que ça avance, j'ai jamais vraiment visité, mais ils ont des photos puis plein d'affaires. Ah, oh. La photo de John Lee pis Parvati. Je suis jaloux, man. Je suis vraiment jaloux. Ça, c'est quand ils ont fait le date ici dans le vaisseau. Ah, c'est que c'était cool. Désolé si je parle un peu du nez, j'ai le nez bouché. Le clan molette moderne et vous. Ok, ouais, les petits cossins de même. Ça ici, c'est qui? C'est qui joue aux échecs? Ah, je pense que c'est... ouais, c'est Félix. Ouais. Ça, c'est Félix. Ça, ici, c'est le... Ça, c'est Max. Ouais. Ça, c'est Ellie. Avec son jacket. Veste en cuir. C'est vintage. Elle aime ça, hein, les vestes en cuir. Tu mets ça. Hein? Elle a une veste légendaire. Est-ce que c'est plus résistante? Ouais. Tiens, elle aime ça les vestes en cuir et voilà. Ah, ça c'est Nyoka, la chasseuse. Alright, ok. Hey, assez perdu de temps, ça fait quand même bon 5 minutes que je suis en train de revisiter mon ancien vaisseau tout. Mais écoute, ça fait quand même un an que j'ai pas joué. C'est qui là? Il est là. Bon, ah ouais, let's go. Ah, c'est Parvati. Parvati, mon amour. Ok, alright, let's go. Donc, je crois que c'est... Welcome back, Captain. Salut. Take care. I require a functioning captain to run the ship. Attends, j'ai-tu activé ma quête? Ma quête, elle marche-tu? C'est quoi, là, exactement? Secret oublié.
Non. Ça, c'est. J'avais tout fait ça. J'avais tout fait ça. Fait que je suis quand même assez loin en arrière. Welcome back, Captain. What's that? Define favorite. I see. Sam. In that case, my favorite is Sam. Ouais, c'est sûr, si je l'ai déjà pas regardé en train de faire des trucs, ok, ouais, mais And I'm sure I rank as your favorite autonomous digital astrogator. I am pleased we have that settled. Was that all you wanted to ask me? You seem hesitant to discuss what's actually troubling you. Perhaps there is something you wanted to confess? Je souffre d'une phobie dont je n'ai jamais parlé à personne. Non. Une phobie, on va dire ça. Are you sure that is all you wished to confess? Oui. Thank you for confiding in me, Captain. I have been keeping a secret as well, but you shall have to discern it yourself. I do not like joking about the captain, Captain. And we both know I am not capable of such a complex emotion. Ok, c'est bon. Mais toutes ces belles conversations-là, le DLC, il est supposé s'activer, genre, quand on parle au vaisseau. Bon, ben écoute, garde, on va aller. On va à l'espoir Terra 2. Où est-ce qu'on pourrait aller, mettons? Quoi, les précurseurs? Non, Monarque! Je pense qu'il faut qu'on fasse un voyage, je suis pas sûr. Captain, ouais. I'm receiving an urgent docking request from another vessel. Greetings from the Halcyon Parcel Service. Delivery is guaranteed within standard margins of certainty. I've got a special delivery for Alex Hawthorne of the Unreliable. With your permission, I'll see it transferred to your ship. Ouais. Envoyez-moi ça. With alacrity. Stand by, Captain Hawthorne. An HPS certified distribution technician has deposited the parcel into your cargo hold in accordance with hazardous waste disposal procedures. Attendez, il fait quoi, votre technicien? They dispense 3 complimentary spritzes of Anti-Cleo's Citrus Squirt Air Freshener. That's the HPS touch for you, Captain Hawthorne. On behalf of HPS, I'd like to remind you that HPS is not responsible for any damage, defacement, or unseemliness to your parcel. Thank you for your patience, and please remember HPS for all of your future parcel-related needs. All right, on a un colis par UPS. Faire un geste grossier puis couper, non, sans faute. Ok. HPS, j'ai dit UPS. Un paquet mystérieux. Hawthorne, if you're getting this, something's happened to me. Got mixed up in some shady business on Gorgon. Should have known better. But I landed on something big. And now this job's an itch I can't stop scratching. There's a whole research compound left to the Sprats. I think I'm close to figuring out why. But something dangerous is closer to me. Got the job through one mini Ambrose. Top runner who just came into some money was offering a hefty bid card for qualified help. Trust me, her money's good. Talk to Minnie. Take the job. If I ain't gonna live to see the payday, might as well be you. Consider us even, old pal. Well, that fellow certainly seemed trustworthy. I've gotten jobs from some unusual sources, but this is a first. Congratulations, Captain. I don't mean to sound prim, Captain, but there's gotta be a better way to ask someone to do you a favor. I just want to say, we gotta take this job. This is the closest I ever been to starring in a serial drama. Only thing we're missing is a couple cameras and a soundtrack. At least this won't be boring.
Ah, dude, j'adore l'intro, c'est malade, avec le petit conseil de... Ça, c'est comme la mission finale, là, si vous avez pas vu, j'ai la playlist en description, comme j'ai dit au début. Mais on a comme un meeting de groupe, man. Ah, c'est cool, man, c'est vraiment nice. Sympa de sa part de nous rencarder. C'est quoi cette histoire, Ada? Lucky Montoya owed Captain Hawthorne a considerable debt. I believe this is what humans refer to as payback. Captain, the message contains landing coordinates for a small asteroid in the Charybdis cluster. It was recently registered to a Wilhelmina Ambrose. Qui était ce type? He was an old friend of Alex Hawthorne. Ah. Lucky Montoya had a statistically significant tendency to encounter situations of extreme danger. Well, yeah. I doubt this guy lost his arm filling out paperwork. He was also the fourth best paid freelancer in the system. Pas mal. Quatrième seulement. Il était aussi le quatrième mercenaire. This had less correlation with his measured aptitudes, which rank at or below average, than with a pattern of fortunate circumstances. Il y a une chance qu'il soit encore en vie. Based on the condition of the limb, I calculate a 92.7% chance that Mr. Montoya expired from his injuries. Donc il y a une chance. There is what humans colloquially call a sprat's chance in a mantisaur's den. That is a very low chance, Captain. I have transferred the coordinates for Ambrose Manor to your navigation terminal. We can travel there when you are ready. Parfait, man. Wow. Qui que je vais amener avec moi, de mon groupe, à cette merveilleuse aventure? Moi, j'aime bien Max, parce que Max, il est intelligent. Lui, il est cool et tout, parce qu'il me fait rire. Il est genre, oh, man, job, hein? Il t'appelle boss, pis tout, genre, c'est vraiment nice. Mais c'est sûr que Parvati, elle vient avec moi. Ça, c'est immanquable. Je vais parler à lui. Yes, you caught me ruminating again. Guilty as charged. What's occupying your thoughts? Ça a-tu rapport, Max, que pensez-vous de toute cette affaire de Gorgon? Perhaps it's just my judicious nature, but I think we should be careful if we're following up on this lucky fellow's message. Alright. Je vais aller voir ses stats à lui, man, parce que j'aimerais ça peut-être l'amener avec moi. Il est cool. Il est cool, je l'aime bien. Ok, bon. Distance, ouais. Lui, il est à distance. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ses armes, genre, son armure. 42, une belle armure. Ah, pourquoi il y a cette casse-là? C'est bien de la merde. Moi, il y en a donné un autre avant de partir. Pas mal, pas mal. Il y a des armes pas pires. Mais nous autres, en Supernova, il faut faire attention. Illy. Je vais peut-être amener Illy. Illy, je l'aime bien. Oh oui, elle a des assez de bons stats. 36, 75 d'armure. Je vais peut-être l'amener, elle. Félix, il est cool. Il est fucking résistant, 78, 64. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que je joue pas en tank. Je suis pas... je fonce pas dans le tas. C'est une mauvaise idée pour moi. Ok. Ah, ça fait tellement longtemps, regarde. Je vais vous montrer ça, là. Supernova. Ok, la preuve, là. Supernova. On joue à Supernova. On a tout le temps joué à Supernova. Fait que c'est parti. Ouais, je vais l'amener avec... Je vais juste checker si j'ai pas un casque mieux pour Max. Mais je pense que je vais y aller avec Illy puis Parvati. C'est pas si mal. Oh, mais c'est lui à 38. Alright. Puis je vais serrer qu'est-ce que j'ai pas de besoin, genre ça. Ça va me donner. Ok, ouais, ça j'en ai de besoin, ça j'en ai pas de besoin. Ok, c'est bon, let's go. Moi je pars avec Illy, je crois. Je la trouve vraiment nice. En route pour Gorgon, yeah! Ça fait déjà 15 minutes là, mais c'est pas grave. Ouais, let's go. On se remet dedans tranquillement là.
Nice. Ben, c'est, en fait, c'est pas Gorgon, là, mais bon. Wow, malade. Let's go, man, on start ça. Moi, je suis correct. Alright, que je suis correct, mon chum. Parvati, Max, ou attends. Qu'est-ce qu'il me donne comme sport, Max? Je pense que c'est du piratage. Piratage. Ça, c'est pratique. Illy, elle, c'est la médecine. Médecine. Ça, c'est moins pratique. Ah, je le sais pas. Mais elle est où, elle est pas conne. Tu sais, elle est pas conne. Ah, c'est que je le sais pas. Illy. Let's go, on y va. Ah fuck, il a fallu que je fasse... Continue. C'est parti. The Outer Worlds, là, j'aurais vraiment aimé ça que le jeu soit vraiment big parce qu'il est tellement malade comme jeu, là, c'est malade. C'est plus hot que Fallout. Et je suis un grand fan de Fallout. J'ai pas de gameplay sur ma chaîne par exemple, parce que j'ai tout joué au jeu avant ça. Waouh, ah, c'est beau, man. Ambrose Manor. We were not expecting company. Please follow. Do not stray from the path. Don't worry, little fella. We're mostly law-abiding folk. Oh no. We should check to see he's all right. C'est cave. This unit cannot bring you anything in its current state. Ok, bon, ben, il va rester là. Ah, c'est que c'est hot, man. Tu crois que c'est cool? Ça fait horreur. C'est comme un petit thème Halloween, pis tout, c'est cool, man. Those big empty windows. It feels like the building's watching me. Ouais, c'est nice. I'm getting goosebumps. At the very least, there ought to be something worth stealing in there. Elle, qu'est-ce que j'aime, là, avec cette double-là, c'est qu'elle est super honnête, puis elle est comme, ah, on va voler, pis tout, fait que c'est super cool. Est-ce que c'est volé? Non. Ah, shit. Hein? 44? Attends, wow. Il faut combien, moi, mes dégâts? Oh, c'est encore lisse, 44, gros. Password fait 609. Ah, comment ça? Ah, j'ai faim, j'ai soif. Oh merde, j'ai oublié de manger avant mon départ. 4 minutes. Ça, qu'est-ce qui est plate, là? C'est quand j'ai soif puis faim, là. C'est que mes stats, là, ils baissent. Putain. Ah, puis je suis fatigué en plus. Ah, oh, fuck. Fuck. Ah, ça me fait chier. Merde, ok, on va y aller pareil, là. Est-ce que ça affecte mes stats? Est-ce qu'il y a une place que je vais pouvoir dormir? Ça l'a baissé, pourquoi? Pénalité, déplacement. Pourquoi? Tempérament. Pourquoi tempérament il baisse? Ok, non, c'est bon. C'est bon, le sommeil m'affecte pas encore. On est chill. C'est important que je check mes compétences. Vu que. Ok, la discrétion, ça c'est pas pire. Ah, la fatigue, moins 3, c'est ça. Est-ce que ça affecte mon dialogue? Non, c'est bon. Le mensonge, mais ça c'est rare que je fais des mensonges. C'est juste moins 3. Ma noire hantée. Oh, Captain, something here don't feel right. Ah gros, ben c'est malade. Gros, ah ouais, on explore ça, man. Est-ce que j'ai une lumière? Non. Ah fuck. Ah, il m'en reste 147, c'est bon. C'est bien ça que j'ai, 147? Je viens d'en gaspiller un, ça me fait chier. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je vois ça? Combien il me reste? Je pense que c'est écrit en haut à gauche. Je
prendrai pas le gas de réessayer, mais bon. Il se trompait de bouton. Activité récente. Ok, liste. Y'a rien de grosse affaire. Quitter. C'est extrêmement pratique. Parce que des fois, quand je joue à Supernova, faut que j'évite le combat. Puis je peux pirater plein de trucs. Y'a pas de la bouffe ou de quoi? Ouais. De l'eau. Ah oh, ouais, nice. C'est whisky. On prend tout ça. Ça peut être pratique. L'alcool, c'est moins pratique un peu, là. Ah oui, ça c'est pratique. Ça c'est pratique aussi. Oh! Oh, ok, ouais, j'ai découvert un acide passage secret. Attends, quand on va aller voir tantôt. Ok, je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Je vais explorer bien comme fois avant. Où les dents? Hey, nice. Peut-être le shampoing, je m'en fous. C'est ça, c'est bon. Je l'ai 148. C'est bien ça, hein? Je peux pas aller là. Barricader. Je vais pas aller là tout de suite. Mais j'ai trouvé un passage secret tantôt, je vais voir où est-ce que ça amène ça. Ah ouais, y'a du stock en calice, c'est nice. Lettre d'adieu, je lis jamais mes textes. Ben ben. Ah, lui je peux pas. Wow. Salut. So who the devil are you? Justin, capitaine de l'imposteur. You don't say. Well, make yourself at home, Captain. I'm sure we have much to discuss. Do you see that glowing chunk of space rock? That's Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of my existence. I hate to drink alone, and this is my third. So join me in raising a glass. To Gorgon. Porte un toast. Je suis pas sûr. To Gorgon. May cosmic winds shepherd her to the nearest star. I'm Wilhelmina Ambrose, but you can keep it short and call me Minnie. Now, what brings you to my house, handsome? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. Je suis juste touriste, non. C'est un bras coupé qui m'a conduit à vous. A severed arm. How positively ghoulish. You know this is a private residence, not a curio shop. Est-ce que le nom Chance Montoya vous dit quelque chose? Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding and theatrical. Always staring into space and twirling a bullet over his knuckles. He's definitely not doing that anymore. But if something happened to him... Oh dear. I suppose that makes him my former freelancer now? Toutes mes condoléances. Thank you. But the people in my orbit come and go all the time.
occupational hazard. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I really can't afford another setback. Oh. Pourquoi je peux pas intelligence? Pourquoi je suis pas intelligent, tabarnak? Je suis supposé être fucking intelligent, dude. Ah, c'est parce que je suis fatigué, c'est tout ça? Ah, je peux pas regarder en tout cas, tant pis là. Une mission à haut risque. Funny that you should bring that up. How would you like to be my new freelancer? There's been a recent vacancy, and I think you're well suited to the job. Remember, play hard to get. That's negotiation. You offer work to everyone who breaks into your home? Must be some kind of Byzantine tradition I ain't know about. I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, someone good with their hands. Qu'est-ce qui me dit que je finirai pas comme votre mercenaire personnel? Non, j'ai hâte que vous m'offrez un poste macabé. I don't think he'll mind if that's your concern. Donnez-moi tous les détails et je vous dirai ce que j'en pense. My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant, the top scientist in her field, until tragedy struck. Continuez. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. Everyone had to scramble or risk getting left behind. It was chaos. Employees fled for their lives. Mother never made it home. I'm told she wasn't the only casualty that fateful day. It must have been real hard on you, losing your mother all of a sudden like that. I'm sorry to hear it, ma'am. Thank you. Ambrose ladies are supposed to be resilient to the unexpected, but this was especially hard on me. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon, and I just know they're lying. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. I simply need the evidence to prove it. We're going to drag the truth kicking and screaming into the light. Even if it means bringing ruin and humiliation to Spacer's Choice. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research facility. Notre réputation avec Spacer's Choice est quand même assez haute. C'est juste le conseil qu'on est beau en esti. Ne vous inquiétez pas, si Spacer's Choice a quelque chose à cacher, je le découvrirai. Des questions à vous poser avant. Ben, on n'a comme pas le choix d'accepter la mission, c'est comme le DLC, c'est comme la mission qu'on doit le faire. You do all that for me? I was hoping you'd take the job, but I didn't expect you to care. Juste être payé? Non, non, non. Vous ne devriez pas subir les conséquences des actes de Spacer's Choice. Là, faisant ça, bon, on développe une relation avec elle pis tout. Puis là, elle va plus nous aimer au lieu de nous crisser genre... I believe you're the first person to ever side with me against the corporation. It's a refreshing change. When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. The corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from squirming in through the cracks. Je fais attention. There's a little saloon near Gorgon's landing pad, the Sprat Shack. Lucky was renting a room, so if you want to follow his trail, that would be the place to start. I think I've heard of that place. Cheap whiskey, rough crowd. You'll love it.
Oh, you think maybe they got a little mascot? Like a frat in a tiny hat? Just so we understand each other, money is no object. I'm willing to squander the family fortune if you get me what I want. Between your payment and any salvage you happen across, you'll walk away from this rich enough to buy a mansion of your own. How does that sound? Katawa. Vous sortirez de cette histoire avec assez d'octos pour acheter votre propre manoir. C'est quoi le truc? Il y a toujours un truc. The cash. No one's ever done this before, and the only person who tried is a corpse. Believe me, that's enough. Here's your nav key, Captain. Safe travels. Je vous tiens au courant, on va pas trop licher le cul non plus là. A word of advice before you go, Captain. Trust no one. Puis toi? Mother's office is in the heart of the Gorgon facility. You're free to salvage anything that isn't nailed down. I only want what's mine. Mysterious heiress, unexpected gainful employment. It's like something out of a detective serial. It's not theft if she's giving us permission. Je vais peut-être plus prendre le Max avec moi. Lui va plus m'aider. Elle est cool, Lily, je l'aime bien. Elle est nice parce qu'elle fait des dégâts. Elle a une bonne armure, légendaire, pis tout. Mais Max, lui, il va me donner du piratage. Puis lui, il est intelligent, il donne vraiment des bons conseils. Mais là, moi, je m'en vais pas tout de suite, là. Like that episode of Virginia Yang, Girl Detective, where the old fella dies and his nurse inherits his house? What if we find a body? Aha! Le rapport. Oh damn, ok, ouais, on peut tout... on peut découvrir la vérité. Dans le fond, je me demande si j'aurais pas dû y aller avant, débloquer des dialogues après, genre, tu comprends? Mais je lis pas, fait que c'est tant pis. Merde, je peux pas, hostie. Ça me fait chier parce que je suis fatigué. Puis je dois aller voir. Je vais aller voir mes compétences, là, par exemple. Où l'intelligence? Persuasion, je suis bon en tabarnak là-dessus. Car le piratage, t'as 60. L'autre, il me donne 70. Portée de détection des... Ok, moi. C'est pas si pire que ça, mon piratage. Parvati me donne 39 en crochetage. Parvati me donne 34 pour persuasion. Ellie me donne des mensonges. Ellie me donne aussi de la médecine en tabarnak. Parvati à m'aide. Ellie aussi, les sciences. Ben Ellie est quand même pas stampée, elle est cool. Ok, je peux juste pas pirater ça. On va ramasser tout ce qu'on peut voir. Ah, c'était la pièce qui était barricadée. Alright. Wow, c'est malade. Stick, c'est cool, les Hollow Worlds. Gros, j'hésite vraiment entre Max et Ellie comme le second.
Aïe, tabarnak. What the fuck, esti? Y'a de quoi là? Je suis curieux d'aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Carte d'accès à la cuisine. Ah, c'était pour rentrer ou est-ce que j'ai piraté le truc? Mais c'est bon, j'ai réussi à le pirater. Alright. On part pour Gorgon! Yeah! Je vais aller dormir avant. Ben, je vais me rendre sur Gorgon, puis après ça, je vais aller dormir. Ben, je suis déjà là. Ah ouais, mais je dois aller... c'est ça, c'est là. Alright, mon chum, on est rendu à Gorgon. Fait que là, je vais aller dormir. Je vais aller manger puis boire de l'eau pour être en forme. Puis ensuite de ça... Ah, j'ai des guns que j'avais cachés là. Puis ensuite de ça, moi, je m'en vais sur Gorgon puis on commence l'histoire de Gorgon. Nous autres, on va s'essayer là-dessus. Petite introduction à Gorgon. Puis on se retrouve pour la suite. À la prochaine. Ciao.